Ministre, bonsoir à tous. Au nom de la Bibliothèque nationale de France et de sa présidente Laurence Angèle, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'être venus si nombreux pour écouter la conférence que M. Yann Le Cun va donner ce soir. Avant de passer la parole à Martin Andler, donc, qui va vous présenter plus en détail le conférencier, je voulais juste vous rappeler que cette conférence s'inscrit dans un cycle que nous co-organisons avec la SMF depuis maintenant... C'est la 14e saison, donc depuis 2005, le temps passe effectivement. J'en profite également pour saluer nos partenaires sur cette manifestation, qui sont la revue Tangente et l'association Animat. Voilà, je passe sans plus tarder la parole à Martin Andler et vous souhaite à nouveau une très très bonne conférence. Merci, merci à la BNF de nous accueillir depuis 13 ans. Donc nous avons ici deux lycées que je salue, le lycée Notre-Dame de Bourg-la-Reine et le lycée des Francs-Bourgeois à Paris. Deux autres lycées nous font défaut à cause des problèmes de train. C'est donc un très grand plaisir d'accueillir ici Yann Le Cun. Il va nous parler d'un sujet qui est ultra à la mode, le traitement des données massives, big data, comme on dit en français, dont il a été un des initiateurs, ou peut-être l'initiateur d'une technique, enfin d'une idée nouvelle qui s'appelle le deep learning. Je ne sais pas comment on dit en français, mais peut-être on dit aussi deep learning en français. Apprentissage profond. Voilà. Donc Yann Le Cun a fait ses études dans une école d'ingénieurs, puis à l'université Pierre et Marie Curie, et puis ensuite est parti, je crois, en partie au Canada et aux États-Unis pour poursuivre ses études. Donc, je lui passe la parole. Merci. Désolé pour le contretemps technique. Cette série de conférences est sur le thème des mathématiques. Et je ne vais pas écrire des formules, bien sûr, mais parler un petit peu de mathématiques et de l'interaction entre la théorie et la pratique dans le domaine de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle. Alors, je me base beaucoup pour ça sur un ancien collègue, Vladimir Vapnik, qui était un mathématicien américano-russe, enfin russe, et puis qui a émigré aux États-Unis à la fin des années 80. Et qui a jeté les bases théoriques de la théorie de l'apprentissage. Et je me base un petit peu sur ce petit livre qui fait moins de 180 pages, qui est assez dense, mais qui n'a pas de preuves formelles dedans. C'est plus un petit peu les idées générales de l'apprentissage et de la théorie de l'apprentissage, et dont les conséquences sont beaucoup plus larges que simplement l'intelligence des machines, mais aussi le processus d'élaboration de connaissances à partir de données. C'est-à-dire, ça s'applique à nous aussi, quand on observe des données, qu'on essaie de faire une théorie scientifique, ou quand on essaie de trouver une explication à un phénomène, on applique en fait les mêmes principes, on est limité par les mêmes principes en fait, qui sont un petit peu expliqués dans ce livre. Et il y a des connexions aussi avec la philosophie, etc. Donc j'en parlerai un petit peu. Mais une grande partie de ces théories a un petit peu hypnotisé la communauté d'intelligence artificielle, tant et si bien que les progrès récents de l'intelligence artificielle ont en fait été un petit peu retardés par le fait qu'on était trop attaché à les théories. Donc c'est un phénomène intéressant qui fait que la théorie aide beaucoup à savoir ce qui est impossible, en fait, non seulement ce qui est possible, mais surtout ce qui est impossible. Mais très souvent, limite un peu notre pensée, parce qu'avec les mathématiques, on est limité à étudier des phénomènes relativement simples, finalement. Et les phénomènes qu'on voudrait bien, les systèmes qu'on voudrait concevoir, qu'on voudrait utiliser, à cause du fait qu'ils fonctionnent dans le monde réel, doivent être beaucoup, beaucoup plus compliqués et sont beaucoup plus difficiles à modéliser mathématiquement. Alors, ce qui s'est passé ces dernières années, avec les progrès de l'intelligence artificielle, du deep learning, etc., c'est qu'en fait, on est sorti un petit peu du cadre de ce qu'on peut expliquer avec la théorie. Et on en est à construire des machines, des algorithmes, des artefacts pour lesquels il y a pour l'instant relativement peu de théorie. Alors pour des théoriciens dans l'âme, ça veut dire qu'il vaut mieux ne pas travailler sur ces modèles parce qu'on ne les comprend pas. Et puis pour des gens un petit peu plus orientés sur le côté ingénieur et application, ça veut dire essayer de convaincre les théoriciens de travailler sur ces choses compliquées qu'on ne comprend pas encore. Alors, il y a un petit peu cette tension et ce qui a en fait retardé le progrès de l'intelligence artificielle d'une certaine manière. Donc je vais faire l'apologie de Vapnik et puis en même temps aussi donner une espèce de message de méfiance
de ne pas être hypnotisé par la théorie et les mathématiques. Alors voilà Vladimir Vatnik. Donc Vladimir Vatnik est né en Ouzbékistan, près de Samarcande. Il est russe, éthiquement, et puis a toujours été... Donc, il a commencé sa carrière à Moscou, était dans l'Institut des problèmes de contrôle de Moscou, et a jeté les bases théoriques dans les années 60 et 70 de ce qu'on appelle maintenant l'apprentissage automatique ou l'apprentissage statistique. À l'époque, il appelait ça un petit peu différemment. Et il s'était inspiré de travaux très expérimentaux et très empiriques, en fait, aux États-Unis dans les années 50-60. Sur les premières machines capables d'apprentissage, en particulier une machine qui s'appelle le perceptron. Il a essayé de dégager les bases théoriques de tout ça, mais il s'est trouvé un peu limité dans sa carrière à cause du fait qu'il était juif et qu'à l'époque en Russie, il y avait une espèce de plafond en verre qui faisait que la carrière de genre de certaines ethnies, disons, étaient limitées. Donc en 1988 ou 89, il a été, début 89, il a été invité à un congrès aux États-Unis de théorie de l'apprentissage. Il y a eu toute une branche de théorie de l'apprentissage qui s'était formée aux États-Unis et qui se sont aperçus après l'ouverture de l'URSS. En fait, il y avait aussi une communauté russe qui avait travaillé là-dessus, et donc ils ont découvert les travaux de Vatnik, qui avaient été traduits, mais qui n'avaient pas été très largement distribués. Et cette communauté mathématique américaine s'est aperçue qu'en fait, tous leurs travaux étaient beaucoup moins généraux que ceux de Vatnik. Donc, ils ont invité Vatnik à faire une conférence à ce congrès, et qui a un petit peu... déboussoler tout le monde, un petit peu réarranger le champ théorique de l'apprentissage à l'époque. Donc ça, c'est début 89. Au moment de son premier voyage aux États-Unis, c'était son deuxième voyage dans l'Ouest, il avait fait une conférence aux Pays-Bas précédemment, mais au cours de son voyage aux États-Unis, Vladimir Vatnik a fait part à certains de mes collègues de Bell Laboratories qu'il voulait en fait émigrer aux États-Unis. Et donc, fin 89, il est arrivé aux États-Unis et bien sûr, il avait, étant russe, travaillant pour une société américaine qui avait quelques contrats militaires, etc., il n'avait pas le droit de sortir de son bureau sans être accompagné, y compris aux toilettes. Il n'avait pas le droit d'avoir un ordinateur qui était connecté par réseau aux autres. Ça pouvait être potentiellement dangereux. Au bout de quelques mois, très rapidement, il y a eu une carte verte, une carte d'immigration américaine, et là, tout était sans problème, on a pu connecter son ordinateur, etc. Bon, ceci dit, Vladimir Vatnik n'est pas quelqu'un qui utilise un ordinateur pour programmer, il l'utilise pour écrire des livres. Alors, mes collègues et moi, à Bell Labs, avons travaillé avec lui pendant plusieurs années, depuis la fin des années donc 89, la fin de l'année 89 jusqu'à environ 95-96, donc au moment où de l'apparition de ce premier livre. Il a écrit un deuxième livre beaucoup plus gros, beaucoup plus technique. En particulier, mon collègue Léon Boutou, qui a beaucoup travaillé en collaboration avec Vladimir Vatnik sur tout un tas d'algorithmes intéressants. Et au cours de ces travaux, en collaboration avec d'autres gens à Bell Labs, il a co-inventé, en particulier avec Isabelle Guyon, qui est maintenant professeure à Orsay, qui à l'époque était une collègue à Bell Labs, ils ont inventé une technique qui s'appelle les machines à vecteurs de support, ou les machines à base de noyaux, en anglais SVM, Support Vector Machines. Et cette technique, en fait, est devenue très usitée dans le domaine de l'apprentissage automatique, au milieu des années 90. C'était en fait la technique dominante jusque, disons, le milieu des années 2000, où là, l'apprentissage profond, le deep learning, a commencé à devenir un petit peu plus dominant, disons, et a pris le pas un peu sur ces méthodes. Donc il y a eu une période, un peu 10 ans, dans laquelle non seulement les théories de Vatnik expliquaient un petit peu tout ce qu'on faisait, mais en plus, les méthodes qu'il avait contribué à inventer étaient celles qui étaient très largement utilisées par la communauté.
Alors, cette photo, ensuite, en 96, AT&T s'est découpé en morceaux et le groupe dont je faisais partie, dont je suis devenu le directeur de ce groupe, Vladimir en était un des membres. Et de 96 à 2002, il a continué à travailler sur la théorie et la pratique. Et ça, c'est en 2002, quelques mois après que nous quittions tous les deux la compagnie AT&T, pour aller travailler pour un laboratoire de recherche d'une compagnie japonaise, NEC, NEC. Et il était tout content que je prenne la photo parce qu'il était à côté de sa formule célèbre. Alors, il y a tout un tas de théories, il a pondu plein de formules, mais ça, c'est une formule très importante sur laquelle je reviendrai, sans expliquer dans les détails comment elle vient, mais qui explique un petit peu les limites la possibilité d'apprentissage, les conditions dans lesquelles l'apprentissage fonctionne. Et le texte « All your bases belong to us » c'est un jeu de mots horrible que je me devrais peut-être d'expliquer. C'est un petit peu compliqué. Pour ceux dans l'audience qui étaient branchés sur l'Internet il y a 10-15 ans, il y avait un mime sur l'Internet, « All your bases belong to us », mais « base », B-A-S-E, qui n'est pas de l'anglais correct. C'est de l'anglais grammaticalement incorrect. Et c'est en fait une phrase qui vient d'un jeu vidéo japonais de série Z, qui a été extrêmement mal traduit en anglais, et c'est devenu très drôle, donc c'est devenu un petit peu un mime sur Internet, et là on l'a un petit peu transformé, et ce que ce B-A-Y-E-S veut dire, c'est Monsieur Bayes de la règle de Bayes, qui est une loi de probabilité pour inverser les probabilités conditionnelles. Et là, il y a toute une branche des statistiques et des probabilités qui s'appelle les statistiques bayésiennes. Et Vladimir est un ennemi de cette communauté. Donc, un ennemi. Pas personnel, hein. Conceptuel en tout cas. Et donc j'ai pris cette photo, je l'ai mis sur mon site web, et à ma grande surprise, si vous tapez Vladimir Vapnik sur Google et vous cherchez les images, c'est une des premières qui se montre. Alors donc voilà cette formule, et ce que dit cette formule, c'est, je ne vais pas lui expliquer tout de suite, je vais y venir, c'est en fait les limites et les possibilités qui permettent à une machine d'apprendre. Et cette formule vient de principes vraiment fondamentaux de statistique et ne fait en gros aucune hypothèse sur la nature de la machine qui apprend. Donc ça s'appliquerait aussi bien à une machine qu'à une personne, qu'à n'importe quoi en fait. Alors, qu'est-ce que l'apprentissage ? Donc l'apprentissage, je vais faire des petits dessins parce que ce sera plus simple. L'apprentissage, c'est bien sûr ne pas programmer une machine directement, mais c'est plutôt l'entraîner à faire une tâche à partir d'exemples. Alors, on imagine bien sûr les applications qu'on utilise aujourd'hui. Ce que ça veut dire, c'est prendre un texte en anglais et le traduire en français. Et pour ça, on a une machine qui est entraînée à partir de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples, de phrases en anglais avec leur traduction française. Et la machine apprend à produire la phrase en français à partir de la phrase en anglais. Pour la reconnaissance d'images, on collecte des millions d'images de tables, de chaises, de voitures, de chiens, de chats. Et à chaque fois qu'on montre une image à la machine, on lui dit c'est une table ou une voiture. Si la machine ne donne pas la réponse correcte, on lui dit voilà la réponse correcte, elle se corrige pour que la prochaine fois qu'on montre la même image, elle finisse par donner la bonne réponse. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Mais d'un point de vue conceptuel, c'est un petit peu comme essayer de trouver une loi qui relie deux variables. Donc, x, ici, c'est juste un nombre, mais imaginons qu'on veut reconnaître des images, à ce moment-là, x serait une image, et une image, ce n'est pas autre chose qu'une grande collection de nombres. Donc, une image en noir et blanc, par exemple, qui fait 1000 pixels par 1000 pixels, c'est 1 million de nombres qui indiquent l'intensité de la lumière à chaque pixel, hein, la valeur de gris du pixel. Si c'est une image couleur, il y a 3 valeurs pour chaque pixel. D'accord ? Donc, bon, pour une image 1000 par 1000, 1 million de pixels, ça fait x à 1 million de valeurs. Donc, je ne peux pas représenter ça sur le tableau naturellement. Et
on veut pouvoir prédire une variable, une autre variable, y, qui peut être aussi une série de nombres ou un seul nombre. Dans ce cas-là, ici, un seul nombre. Un exemple, un ensemble d'apprentissage, c'est une série de paires x et y. Donc, je vous donne une image d'un chat et je vous dis c'est un chat. D'accord ? Ici, dans ce cas simple, je vous donne une valeur de x et je vous dis voilà la valeur de y. Donc, voilà un point d'apprentissage. Puis, je peux vous donner un deuxième point d'apprentissage. Voilà un deuxième point d'apprentissage. OK. Maintenant, je vous pose la question. Prédisez la valeur de y. Donc, bon, pour ces deux choses-là, j'ai x1, y1. Donc, c'est pour le premier exemple d'apprentissage x1, y1. J'ai un point aux coordonnées x1, y1. Puis le deuxième exemple d'apprentissage, x2, y2. Et ce que je voudrais, c'est pouvoir prédire la valeur de y pour un point x qui n'est pas présent dans l'ensemble d'apprentissage. Donc, par exemple, si je vous prends dans un point x ici, quelle est la valeur de y? Alors, bon, on peut se dire, bon, c'est simple, entre deux points, on peut faire passer une droite. Donc, je peux prédire que y est ici. D'accord? Ça, c'est interpolation linéaire. Marche bien. Facile, hein. Même au lycée, on apprend à faire ça. Hein. Trouver la ligne qui passe par deux points, c'est facile. Hein. On apprend ça au collège même, non? Alors maintenant, voilà le problème. Je vous donne un troisième point. Le troisième point est ici. Ah, ça ne marche plus. Comment arriver à approximer tous ces points. Puis je vais vous donner un quatrième point. Puis un cinquième. Puis un sixième. Alors là, si on veut passer approximativement par tous les points, il va peut-être trouver une... Peut-être falloir trouver une courbe comme ça. Hein. Et elle ne va pas, peut-être pas passer exactement par tous les points, particulièrement si je... décide que cette courbe, a priori, est quelque chose du genre y égale un coefficient fois la racine carrée de x. D'accord? C'est à peu près cette tête-là. Donc, par exemple, si je suis Galilée et que je monte sur la tour de Pise, voilà la tour de Pise, et puis je laisse tomber quelque chose ici, là. Donc ça, c'est un... En fait, on va appeler ça un x, c'est la hauteur. Et je mesure le temps que ça prend pour l'objet pour tomber. Et puis je vais un petit peu plus haut, donc ça c'est mon x1, ça va être mon x2, et puis x3, etc. Et puis pour chacune de ces valeurs de x, j'obtiens une valeur de y, qui est le temps que ça prend à l'objet pour tomber. Il s'avère que la physique classique, galiléenne, le temps que ça prend à l'objet pour tomber est quelque chose de ce type-là. C'est-à-dire que le temps de chute est égal à un coefficient qui dépend de la gravité, etc., fois la racine carrée de la hauteur. Donc ça me permet, donc je fais des expériences de ce type-là, ça me donne une série de x et de y, puis ensuite je peux essayer de trouver quelle est la valeur de c. En essayant de trouver la courbe qui passe le mieux par les points. Et en fait, c'est ça l'apprentissage, rien de plus. C'est, je vous donne une série de x et de y, je vous donne une idée d'une formule, qui peut être une famille de formules très compliquées, et l'apprentissage consiste à trouver les valeurs qu'on ne connaît pas dans cette formule, des coefficients, d'une certaine manière, qui vont faire que, à partir de cette courbe, on va pouvoir interpoler, peut-être même extrapoler, des valeurs de y à partir de x. D'accord ? Donc ça, c'est le concept mathématique d'apprentissage. C'est rien d'autre que trouver une courbe qui passe par des points. Maintenant, le seul problème, c'est que si on veut faire ça avec des images de chiens, de chats, de voitures, etc., si on veut conduire une voiture, c'est-à-dire entraîner une voiture à se conduire toute seule, c'est-à-dire, étant donné une image, donnez-moi l'angle du volant pour rester sur la rue, ou la valeur de l'accélération ou du freinage pour ne pas écraser les piétons devant, ça devient beaucoup plus compliqué, parce que maintenant, le X, l'entrée qu'on fournit au système, ce sont des millions de nombres qui représentent l'image vue par le système, et puis la sortie, c'est un angle de volant, et puis peut-être la, la,
la pression sur les pédales. Mais conceptuellement, c'est exactement le même problème que ça. D'accord ? Ah, ok. Alors, voilà, donc ce principe en fait, d'apprentissage supervisé, trouver une fonction en fait, qui calcule les y à partir de x, c'est 95-99% de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. D'accord ? Donc ça démystifie un petit peu. C'est pas si compliqué que ça, en fait, d'un point de vue conceptuel, mathématique. Alors, donc ça, c'est l'exemple un petit peu que je vous montre, dont je vous ai parlé. On donne à une machine, disons qu'on veut construire une machine ou entraîner une machine à distinguer les images de voitures d'images d'avions. On collecte des milliers d'images de voitures, des milliers d'images d'avions. On montre l'image d'une voiture. Si la machine dit voiture, on ne fait rien. Si la machine dit avion, on lui dit non, c'est voiture. Corrige tes coefficients pour... la prochaine fois qu'on te montre cette même image, ta réponse soit plus proche de celle qu'on veut. D'accord ? Donc le prochain problème dont on va parler, c'est comment fait-on pour ajuster ces coefficients pour que justement la sortie soit proche de celle qu'on veut. Et bon, on répète l'opération, on monte une voiture, un avion, à chaque fois on ajuste les coefficients un petit peu. Alors là, les coefficients sont symbolisés par des boutons sur un panneau électrique. En réalité, bien sûr, c'est des nombres dans un programme informatique, mais qui simule un petit peu un système comme ça. Alors ça, donc, c'est le principe général de l'apprentissage, que ce soit l'apprentissage profond, les réseaux de neurones ou pas, c'est presque toutes les méthodes d'apprentissage fonctionnent sur ce principe. Et la magie, c'est qu'on peut appliquer ça non seulement aux x et aux y qui sont des nombres, non seulement aux images qu'on peut représenter bien sûr par un tableau de nombres, à la parole qui est aussi un tableau de nombres, c'est-à-dire un signal de parole, c'est une séquence de nombres qui sort du convertisseur analogique numérique du microphone, la reconnaissance de visage, la traduction de texte par exemple, comme je le mentionnais précédemment. Alors, la complexité de ça, il y en a deux, enfin il y en a plusieurs, mais disons il y en a deux principales. Bon, la première qui compte plus ou moins, c'est de collecter les données pour pouvoir entraîner ces machines. La deuxième, c'est d'arriver à construire la machine avec une structure qui va lui permettre effectivement de faire ce calcul. C'est-à-dire que si, dans cet exemple, ici j'avais dit à la machine, la seule chose que tu peux faire, c'est calculer une relation linéaire entre x et y, c'est-à-dire passer une droite. Elle aurait eu du mal à passer une droite entre tous ces points. Ce n'est pas possible. Donc c'est le même problème ici. Pour permettre à la machine de classifier les images compliquées, il va falloir qu'elle soit assez puissante pour pouvoir faire ce calcul. Il va falloir qu'il y ait assez de ces boutons à ajuster, etc. Dans un système typique qui est utilisé aujourd'hui, pour l'apprentissage, pour la connaissance d'image, par exemple, typiquement, cette boîte... n'a pas juste une douzaine de boutons dessus, on a plusieurs centaines de millions. Bon, heureusement, on a des ordinateurs rapides. Alors voilà la première machine capable d'apprentissage. Bon, pas vraiment la première, en fait, il y a eu un programme avant qui pouvait apprendre à jouer aux dames, mais c'est pratiquement simultané. Donc c'est une machine qui s'appelait le perceptron. Alors pour ceux d'entre vous qui regardent le dessin animé Futurama, il y a un personnage dans Futurama qui s'appelle perceptron aussi, qui est un robot. Qui a inspiré de ça, mais cette machine n'était pas un programme sur un ordinateur, c'était un ordinateur analogique qui a été construit physiquement à l'université de Cornell, et dont on voit quelques photos ici en bas. Donc cette machine était faite pour reconnaître des formes relativement simples. Donc elle avait une espèce de rétine ici, avec des projecteurs ici pour illuminer une forme. Cette rétine avait très très peu de pixels, hein, c'était du genre de 20 par 20, quelque chose comme ça, hein, 400 pixels. Au total. Ensuite, une assiette de spaghettis. En fait, c'était effectivement des connexions aléatoires qui connectaient chaque pixel à ce qu'on appelait un détecteur de caractéristiques, qui est en fait un petit circuit électronique très simple, qui peut s'activer ou se désactiver en fonction de la configuration d'entrée.
Donc il va s'activer pour certaines configurations de pixels et puis pas s'activer pour d'autres configurations de pixels. Et c'est fait à la main et aléatoirement. Et puis la dernière étape, ici, c'est ce qu'on appelle le classifieur. Et alors ça, c'est quelque chose, une espèce de machine. Maintenant, on peut écrire ça en une ligne de programme. Mais à l'époque, il fallait construire ça à la main. Et c'est un espèce de calculateur analogique qui calcule une somme pondérée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une somme pondérée ? Une moyenne pondérée, si vous voulez. Donc, il prend toutes les valeurs qui sortent de ce paquet de spaghetti. On peut voir ça comme une suite de nombres. En fait, en l'occurrence, c'était une série de voltages, hein, de tensions. Et ce qu'il calcule, c'est une somme pondérée de ces tensions, de ces voltages, pondérée par des poids, par des coefficients. C'est-à-dire qu'on prend une valeur, on la multiplie par un coefficient. On prend la deuxième valeur, on la multiplie par un autre coefficient, la troisième par un autre coefficient, etc. On ajoute tous ces produits, puis à la fin, on regarde si cette somme pondérée dépasse un seuil. Si ça dépasse un seuil, une lumière s'allume. Si ça ne dépasse pas le seuil, la lumière s'éteint. C'est aussi simple que ça. Et en fait, on pourrait essayer de... Donc, ce que fait le perceptron, c'est qu'il y a une méthode pour entraîner ces coefficients. Donc, c'est un petit peu la même chose que ce coefficient ici, hein, ou que les coefficients de la droite ici qui passent par les points. Mais on peut trouver les valeurs de ces coefficients qui font que cette somme pondérée va être positive pour les choses qu'on veut et négative pour les choses qu'on ne veut pas. Alors je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. voilà l'idée. Et donc c'est une forme très très simple d'apprentissage supervisé qu'est cette histoire de perceptron. Alors imaginons que on veuille distinguer les A des B, d'accord ? Donc une image de A, c'est une série de valeurs, c'est un tableau de nombres, 0 pour un pixel blanc, 1 pour un pixel noir, d'accord ? Très simple. Donc voilà un A, et puis on va entraîner un perceptron qui n'a que 3 entrées ici, il ne regarde que 3 pixels, d'accord ? Il n'a pas le droit de regarder le reste de l'image, il regarde que ces 3 pixels, c'est pour expliquer simplement. Donc là, il voit un pixel qui a 0, un qui a 1, un qui a 0. Et pour un B, pour ce B particulier, il va voir ce pixel qui est à 1, celui-là est à 0, celui-là est à 1. Donc si on trouve une configuration de poids qui, quand on fait la somme des valeurs des pixels par les coefficients, dépasse un seuil pour le A, oups, et est en dessous du seuil pour le B, à ce moment-là, la machine va marcher. Et je n'ai plus mais ça. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver des coefficients ici, de manière à ce que... Donc là, par exemple, si on met les coefficients moins 1, plus 1, moins 1, quand on fait 0 fois moins 1, plus 1 fois 1, plus 0 fois moins 1, ça fait plus 1. Donc ça, c'est positif. Et avec les mêmes coefficients ici, on fait plus 1 fois moins 1, 0 fois 1, 1 fois moins 1, ça fait moins 2. Et si on met le signe à 0, on a... un perceptron ici qui peut distinguer ce A de ce B. Maintenant, est-ce qu'il peut distinguer d'autres A et d'autres B ? On ne sait pas encore. Hein. Alors, comment trouver ces coefficients ? C'est vraiment simple. On montre un A, on démarre avec des poids 0, on montre un A, et puis comme la sortie là va être 0 et qu'on veut 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter tous les poids dont l'entrée est 1, et puis on ne va pas toucher au poids dont l'entrée est 0. D'accord ? Tout simplement. Donc, on regarde... quel pixel est à 1, on va augmenter ce poids-là. D'accord ? On se retrouve avec un 1 ici. Et là, hop, tout d'un coup, la sortie est positive, on se retrouve avec un 1, tout marche bien. Donc ce A va être reconnu correctement. Maintenant, on montre un B. On part des poids qu'on a obtenus la dernière fois. Et alors, je ne sais pas pourquoi les flèches ne sont pas en face des trous, mais là, du coup, ce qu'on veut, c'est une sortie désirée qui est égale à moins 1. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire le contraire. On va diminuer tous les poids qui sont sur un 1, et on va augmenter les poids qui, ou pas toucher les poids qui sont à 0. Donc celui-là est 1, on va le diminuer. Celui-là est 1, on va le diminuer aussi. Donc on se retrouve avec moins 1, moins 1. Ce fil-là, les fils sont tordus, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, donc ce fil-là regarde là, ce fil-là regarde là, ce fil-là regarde là. Et celui-là reconnaît le B, pas de problème. On montre un autre A, ça marche. Un autre A, ça marche toujours. Ah, ce A-là ne marche pas. Donc là, il faut corriger. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de pixels qui sont connectés... Enfin, il n'y a pas de... Aucun des trois, ici, n'est connecté à un 1. Donc ça risque de ne pas marcher. Etc.
En fait, il y a une règle très simple. On peut écrire ce petit programme en trois lignes de votre langage préféré, Python. Je suis sûr qu'il y a la moitié de la salle qui a déjà écrit du Python. Et en fait, voilà la formule pour entraîner un perceptron. Vraiment très simple. Donc, on prend un poids particulier, le poids numéro i. On les indexe tous par un index. Et ce poids, à l'instant t plus 1, va être égal au poids à l'instant courant, plus un terme d'erreur. Donc ça mesure l'erreur entre la sortie qu'on veut, ça c'est la sortie qu'on veut, et la sortie produite par le perceptron. Donc c'est la somme pondérée ici, avec une notation mathématique un peu raccourcie, passée par un seuil, donc qui est plus 1 ou moins 1. Et puis on va multiplier ça par l'entrée correspondante. Et donc toute cette formule ici dit, si l'entrée est égale à 1, et que l'erreur est positive, augmente le poids. Si l'entrée est égale à 1, que l'erreur est négative, diminue le poids. Si l'entrée est 0, fait rien. Si l'entrée est moins 1, à ce moment-là, fait l'inverse, etc. Donc c'est une formule très très simple et qu'on applique répétitivement sur tous des exemples. Donc c'est une machine simple d'apprentissage. Alors, tout un tas de théories qui a été écrit là-dessus. Mais cette machine est très très limitée en ce sens qu'elle ne peut apprendre que des concepts très simples. C'est-à-dire, effectivement, à la fin, si on entraîne un perceptron directement sur des pixels à reconnaître des ADB, ce qu'on obtient dans les poids ici, c'est des espèces de pochoirs dans lesquels on a des poids positifs pour tous les pixels qui apparaissent dans le A, des poids négatifs pour tous les pixels qui apparaissent dans les B. Alors ça marche pour distinguer les ADB. Ça marche déjà plus si on veut distinguer les 26 lettres de l'alphabet, particulièrement s'il y a des styles différents. Et ça marche encore moins si on veut appliquer ça à des grandes images avec de vrais objets dedans, où l'aspect d'un objet peut changer en fonction de l'angle, en fonction de la distance, etc. Donc ces systèmes sont très très limités. Ce qu'on appelle les classifieurs linéaires, plus généralement, le perceptron est un exemple de ça. Alors maintenant, on peut se poser une question, c'est, OK, on va entraîner notre perceptron ou notre machine à apprentissage avec un certain nombre d'exemples. Quelle garantie a-t-on que lorsqu'on va donner un nouvel exemple, donc un nouveau x, la valeur qui va être prédite va être correcte? C'est-à-dire que si on lui montre un a ou un b que la machine n'a jamais vu, est-ce qu'elle va le classifier correctement? Et en fait, c'est ça la théorie de Vatnik, c'est les conditions dans lesquelles ça va se passer et la probabilité avec laquelle la machine va faire des erreurs ou ne va pas faire d'erreurs. Alors, ça pose une question importante qui est liée à ce que je dessinais précédemment, c'est-à-dire le fait que si j'ai que deux points, je peux essayer de faire passer une droite entre les deux, mais j'aurais pu aussi faire passer une racine carrée par ces deux points. Bien sûr, il y a plein de racines carrées qui peut passer par ces deux points. Alors, si on généralise ça un petit peu, imaginons que j'ai trois points. Je peux dire, bon, en fait, c'est une droite, bon, je m'en fiche de ce point-là, il n'est pas correct, mais ce n'est pas grave. Je peux dire, effectivement, c'est un bout de racine carrée. Je peux dire, en fait, non, c'est un polynôme de degré 3, peut-être un polynôme de degré 4, un polynôme de degré 10. Bon, je ne sais pas compter si j'ai fait le bon nombre de... Ou même pire, pour ces mêmes points, même si j'ai beaucoup, beaucoup de points, je peux dire, oui, OK, bon, ça a l'air d'être une courbe à peu près lisse, mais je peux dire, en fait, non, pas du tout, je peux faire une sinusoïde de très haute fréquence qui va passer exactement par tous les points. Il y aura toujours une sinusoïde de très très haute fréquence que je peux faire passer par tous les points si j'ai un nombre fini de points. Mais quelle va être la qualité d'interpolation de cette sinusoïde? Ce n'est pas clair du tout. Donc, ce que dit Vatnik, ce que d'autres statisticiens ont découvert avant, bien sûr, mais ce qu'il a bien formalisé, c'est quand on a un nombre de données particuliers, il faut adapter la complexité du modèle qu'on entraîne avec ces données. C'est-à-dire que si on a un modèle simple, on va pouvoir l'entraîner sur relativement peu de données et il va pouvoir interpoler relativement rapidement. Si on a un modèle très compliqué et qu'on a très peu de points, il va faire un petit peu comme ce polynôme de degré 10, c'est-à-dire il va osciller entre les deux et on ne sait pas vraiment si l'interpolation va être correcte. Et réciproquement, si on a beaucoup, beaucoup de points d'apprentissage,
il n'est pas du tout clair qu'avec un modèle très simple, notre machine va être capable de l'apprendre. Donc ça, c'est l'exemple où j'ai trois points et je contrains le modèle à trouver une ligne. Et bien sûr, il ne peut pas passer par les trois points avec une ligne, nécessairement. Donc on est obligé de faire une petite erreur. Donc ça, ça fait appel à deux concepts. Un qui est le... Et ces deux concepts qui sont dans la formule de Vapnik. Le premier concept, c'est l'erreur d'apprentissage. Ce que Vapnik appelle R-AMP. Ce qui veut dire en anglais empirical risk, ou en français le risque empirique, donc le risque empirique, tout simplement. Et puis il y en a une autre qui est l'erreur de généralisation. Ou l'erreur de test. Et ça, c'est l'erreur. Donc, l'erreur empirique, c'est l'erreur qu'on fait sur les points d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on prend un modèle, on trouve les meilleurs coefficients qui fait que le modèle prédit les x, prédit les y des exemples d'apprentissage à partir des x. D'accord ? Et s'il ne fait pas une prédiction exacte, c'est-à-dire s'il ne passe pas exactement par tous les points, il va y avoir une erreur d'apprentissage. Et c'est ça, le risque empirique. Et ce qu'on peut faire ensuite, c'est prendre une très, très, très grande collection de points supplémentaires, x et y. On appelle ça un ensemble de tests. Et on mesure l'erreur du système qui a été entraîné là-dessus. On la mesure sur des points supplémentaires qu'il n'a pas vus durant l'apprentissage. Ça, c'est ce qu'on appelle l'erreur de test. Si on a un nombre infini de ces points, c'est une bonne estimation de l'erreur que produirait le système dans une situation réelle, peut-être. Et alors, ce qui se passe, c'est que pour tout système d'apprentissage, l'erreur de test est pratiquement toujours plus grande que l'erreur d'apprentissage, que le risque empirique. Donc, si on n'a pas beaucoup d'exemples d'apprentissage, par exemple, donc imaginons dans l'exemple précédent que je montrais, on veut entraîner un polynôme de dixième degré, donc on a 11 coefficients en fait, à trouver, et on n'a que 2 points. Évidemment, on peut trouver les 11 coefficients qui vont faire passer ce polynôme par 2 points, sans problème. Donc, si on n'a que 2 points, donc ça, c'est la taille de... l'ensemble d'apprentissage qu'on appelle L. Si on n'a que 2 points, l'erreur d'apprentissage va être 0. Parce qu'il n'y a pas de problème, on peut faire passer un polynôme du dixième degré par 2 points. Par contre, si on essaie de lui demander d'interpoler, l'erreur va être très grande parce qu'il ne va pas être capable d'interpoler correctement. D'accord ? Donc l'erreur d'entraînement va être basse, l'erreur de test ou de généralisation va être haute. On rajoute des points, disons on va en mettre 4. Toujours 0 pour l'erreur d'entraînement, toujours assez élevé pour l'erreur de généralisation. 8, toujours 0 pour l'exemple d'apprentissage, parce qu'on peut faire passer un polynôme de dixième degré par 8 points, toujours élevé. C'est une échelle logarithmique. Hein. Donc 16. D'accord, donc je double la valeur à chaque fois, c'est un axe logarithmique. Alors là, 16 points, il est très possible que les 16 points, en fait, ne correspondent pas, ne soient pas alignés sur un polynôme du dixième degré. Et donc là, il y a une possibilité que l'erreur ne soit pas zéro. Et alors, ce qui est curieux, c'est que l'erreur de généralisation, d'un seul coup, va baisser. 32. Et alors, en fait, on se retrouve avec deux courbes. Donc, l'erreur d'apprentissage, qui va faire quelque chose comme ça, et l'erreur de généralisation qui va faire quelque chose comme ça. Et si on avait un nombre infini d'exemples pour entraîner nos systèmes, on arriverait à cette erreur asymptotique-là pour la généralisation. D'accord ? Donc, voilà le problème pour une voiture autonome. On veut entraîner une voiture autonome. On va la faire conduire quelques... Là, au lieu que ce soit 64, ça va être 64 millions. D'accord ? 64 millions d'images qu'on a collecté, où une personne est en train de conduire une voiture, et puis on a ce que voit la caméra, et l'angle du volant et des commandes d'un conducteur professionnel. Puis on va entraîner un système d'apprentissage à prédire l'angle du volant et la position des pédales
pour ces 64 millions d'images. Alors, on va peut-être obtenir une certaine erreur sur cet exemple, sur cet ensemble d'apprentissage qui va être quelque chose comme ça, mais l'erreur de test va être un peu plus haute. En fait, pour une voiture qui se conduit toute seule, 64 millions d'images, c'est pas beaucoup. Il en faut plus. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que si ici on a un taux d'accident X, ici on a un taux d'accident un peu plus élevé. En pratique, c'est beaucoup plus élevé. Donc la question, c'est, ce serait bien d'avoir des garanties sur justement la performance, la différence de performance entre la performance du système sur l'ensemble sur lequel il était entraîné et sa performance sur des situations différentes du monde réel. Ce qu'il faut, c'est que l'ensemble d'apprentissage aussi soit très réaliste, c'est-à-dire qu'il correspond à une situation réelle. Alors on peut se dire, ok, là j'ai, je ne sais pas combien d'exemples, avec un modèle, avec une complexité particulière. Ici, bon, j'ai pris l'exemple du polynôme de degré 10. Mais si j'avais si je voulais modéliser ça avec un polynôme de degré 4, d'accord ? Donc, polynôme de degré 4, l'erreur d'apprentissage commencerait à décoller à partir de 4. Et l'erreur de généralisation commencerait aussi à baisser à partir de 4. D'accord ? Pourquoi elle commence à se lever plus haut ? Parce qu'il y a moins de capacité. C'est-à-dire que le polynôme de degré 4 n'a que 5 coefficients. À partir de 4 ou 5 points, il ne peut plus passer exactement par tous les points. Donc l'erreur d'apprentissage va commencer à augmenter. Et par là même, l'erreur de généralisation va commencer à descendre. C'est-à-dire qu'il va commencer à pouvoir prédire beaucoup mieux que s'il y a moins de points. Alors observez quelque chose d'assez amusant. Enfin, amusant, pas si amusant, mais amusant pour des gens comme moi. C'est qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, l'erreur ici, de ce côté-ci de cette barre, l'erreur est plus basse, l'erreur de généralisation, qui est vraiment ce qui nous intéresse, est plus basse pour le polynôme de degré 4 qu'elle ne l'est pour le polynôme de degré 10. D'accord ? Donc si on a moins que une vingtaine, une trentaine d'exemples, on a intérêt à utiliser le polynôme de degré 4. Alors si on en a plus, on a intérêt à utiliser le polynôme de degré 10. Donc le modèle approprié pour un problème particulier dépend du nombre d'exemples qu'on a pour l'entraîner. Et alors, on peut s'imaginer qu'est-ce qui se passe si on a un polynôme de degré infini. On peut passer par un nombre infini de points. D'accord ? En fait, la sinusoïde que j'ai présentée tout à l'heure, ça correspond un petit peu à un polynôme de degré infini. On peut la faire passer par autant de points qu'on veut. Et bien, ces deux courbes-là, en fait, ne convergent jamais l'une vers l'autre. C'est-à-dire que si on a un polynôme de degré infini, qui a un nombre de coefficients absolument gigantesque, qui a une capacité énorme d'apprendre, son erreur d'apprentissage va toujours être zéro, quel que soit le nombre de points qu'on lui donne, il va toujours être capable de passer par tous les points. Mais par contre, il ne va jamais généraliser. C'est-à-dire que si on lui demande d'interpoler, il va répondre en gros n'importe quoi. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est un petit peu humiliant pour les gens comme nous, enfin pour tout le monde en fait, pour l'humanité entière. C'est que si on est infiniment intelligent, c'est-à-dire si on a, pas intelligent, mais si on a une capacité infinie dans notre cerveau, si notre cerveau est général, tellement général qu'il peut apprendre n'importe quoi, on peut en fait rien apprendre. Et il y a des théorèmes là-dessus. Vapnik a une série de théorèmes. Il y a eu des théorèmes avant, ou à peu près en même temps, qui s'appellent les No Free Lunch Theorems. Donc, c'est les théorèmes qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de déjeuner gratuit. Qui veut dire que on ne peut pas voir une machine générale capable d'apprendre n'importe quoi, ou pour l'entraîner, il va falloir un nombre infini d'exemples. D'accord ? Donc ce que ça veut dire, et alors ça pose des questions philosophiques énormes, parce que c'est le débat entre l'inné et l'acquis. On se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on a comme structure dans le cerveau qui nous permette de devenir intelligent, d'apprendre toutes les choses qu'on apprend aussi rapidement qu'on les apprend. Et donc il y a des linguistes, par exemple, comme Noam Chomsky, qui disent qu'il y a des structures spéciales dans le cerveau pour apprendre la langue, pour apprendre à parler, qui explique pourquoi on apprend à parler si rapidement, pourquoi toutes les langues humaines ont beaucoup de choses en commun. Et puis il y a d'autres gens qui disent, d'autres gens qui s'intéressent à l'apprentissage humain, etc., qui disent en fait, oui, il y a la structure, bien sûr, il faut un peu de structure, comme on le sait, mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. Une grande partie des choses de la langue, par exemple, est apprise et n'est pas préconstruite dans le cerveau. Alors,
Ce que disent ces théorèmes, ce qu'ils disent, c'est qu'il est impossible, la théorie ancienne en psychologie de la table rase, tabula rasa, c'est-à-dire le fait que le cerveau est complètement vierge à la naissance et puis est entraîné purement par interaction avec l'environnement, ne peut pas être complète. C'est-à-dire que le cerveau est nécessairement spécialisé, parce que s'il n'était pas spécialisé, s'il avait une capacité infinie à apprendre n'importe quoi, à ce moment-là, il ne pourrait pas apprendre quoi que ce soit. En tout cas, pas généralisé. Et on est capable de généraliser. On est même capable de généraliser dans des proportions absolument époustouflantes. C'est-à-dire qu'un jeune enfant à qui on montre un livre d'images, on lui montre trois images d'un éléphant, et il est capable de reconnaître n'importe quel éléphant. Et on ne sait pas vraiment faire ça avec nos machines. On sait le faire un petit peu pour les images, mais pas trop pour d'autres choses. Alors, donc tout cela m'entraîne à parler des progrès récents de l'intelligence artificielle. Alors, cette histoire de choisir la complexité du modèle en fonction du nombre d'exemples qu'on a, donc la capacité, la complexité du modèle, en fait, il y a tout un tas de choses dans la vie courante qui se rapportent à ça. Donc la règle du rasoir d'Occam, le principe de parcimonie, c'est-à-dire que si on a plusieurs explications pour un phénomène, il faut choisir l'explication la plus simple. Einstein l'a dit un petit peu aussi, tout doit être le plus simple possible, mais pas plus simple que ça. Et puis bon, il y a des choses un petit peu connectées comme la réflexion que Napoléon a fait à Simon de Laplace. Je ne trouve pas dans votre système mention de Dieu, mais si, alors je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Donc, il ne faut pas multiplier les hypothèses si on n'en a pas besoin. Bon, il y en a une autre, je ne suis pas clair, ce n'est pas absolument certain qu'elle soit attribuable à Napoléon, mais il ne faut pas attribuer à la malice ce qui peut être expliqué par l'incompétence. Je trouve ça assez amusant. Le fait qu'on tend à disons, ignorer les théories du complot, c'est un peu à cause de cette règle du rasoir d'Occam, donc le fait qu'il faille trouver les modèles les plus simples qui expliquent les données, en fait. Alors, en pratique, comment ça se passe? Et là, je vais parler juste en quelques minutes de l'apprentissage profond. Alors, le modèle dont je vous ai parlé tout à l'heure, le perceptron, c'est un modèle très simple dans lequel on prend une image, on la passe par un plat de spaghetti, qu'on appelle un extracteur de caractéristiques en anglais, qui est fait à la main. Aujourd'hui, c'est un programme. Enfin, ce serait un programme. Et puis ensuite, on a ce classifieur entraînable qui calcule une somme pondérée. On appelle ça un classifieur linéaire, maintenant généralement, mais le perceptron est le principe de ça. Et jusqu'à il y a environ 5-10 ans, c'était le modèle dominant de l'apprentissage automatique. Et puis récemment, avec l'émergence du deep learning, l'apprentissage profond, l'idée, en fait, c'est que la machine soit bien plus complexe, un petit peu équivalent de ces polynômes avec plein de coefficients, avec en fait que ça s'appelle apprentissage profond parce que le calcul de la sortie à partir de l'entrée se fait par une succession de calculs et chacune de ces boîtes peut avoir des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de coefficients qui sont ajustables et qui sont en fait des pondérations dans des sommes pondérées. D'accord ? Donc les éléments essentiels d'un réseau de neurones pour l'apprentissage profond, en fait, sont un petit peu l'équivalent du perceptron, sont des unités qui calculent une somme pondérée et dont les poids sont variables. Et ce que va faire la grille d'apprentissage, c'est trouver la valeur de ces poids pour que la sortie corresponde à celle qu'on veuille. Et en fait, tout ça, c'est inspiré un petit peu de la structure du cerveau, c'est-à-dire ces unités qui calculent les sommes pondérées sont un petit peu l'équivalent des neurones dans le cerveau. Les poids, les pondérations qu'elles utilisent pour calculer la sortie correspondent un petit peu à l'efficacité des synapses qui connectent les neurones dans le cerveau. C'est un petit peu inspiré. C'est pas vraiment adhérent à la biologie, mais c'est inspiré de la biologie au même titre que les avions sont inspirés des oiseaux. Les principes de base sont les mêmes, même si les détails sont extrêmement différents. Alors là, on peut pas. Ah, mais si, ça marche. C'est magnifique. Donc, ça tourne sur mon ordinateur portable. Donc, c'est une petite animation qui montre un de ces réseaux de neurones, un type particulier qui s'appelle réseau convolutif. C'est un peu mon invention à Bell Labs à la fin des années 80 pour reconnaître des caractères. Donc, on montre un caractère ici. Ici, chaque pixel correspond en fait à l'activation d'une de ces unités qui calcule une somme pondérée. Et le niveau de gris, si c'est blanc ou noir, indique si l'unité est active ou inactive. Et chaque colonne correspond à une couche.
à mesure qu'on monte dans les couches, la représentation est de plus en plus abstraite, mais en fait, rend l'identification de la forme d'entrée plus facile. Alors, ce système-là a à peu près une centaine de milliers de coefficients qui ont été appris. Ils ont été appris par une règle qu'on appelle la règle de rétropropagation de gradient. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une méthode très simple qui consiste à, en une passe très, très simple, à savoir dans quelle direction changer un coefficient à l'intérieur de ce système, de manière à ce que la sortie se rapproche de la sortie qu'on veut. D'accord ? Et donc, on montre un exemple, on lui dit voilà la sortie qu'on veut, et puis ensuite, par cette procédure de rétropropagation, chaque coefficient dans le système sait dans quelle direction changer pour rapprocher la sortie qu'on veut. Et on fait ça avec des milliers d'exemples. Oui, mais là, effectivement, c'est... Voilà, super, une autre télécommande. Alors, une petite vidéo. Donc, on peut entraîner un système comme ça aussi à dire, non pas nécessairement tourne à gauche, tourne à droite, mais étiqueter chaque pixel d'une image pour savoir si un robot, par exemple, ou une voiture pourrait conduire à cet endroit-là, ou si c'est un obstacle. Donc là, ce que fait ce système, c'est qu'on l'applique sur l'image, et pour chaque pixel de l'image, il nous dit, ce pixel-là, ça va, tu peux conduire dessus, ce pixel-là, c'est un obstacle, il vaut mieux l'éviter. Et avec ça, on peut faire en sorte qu'un petit robot se déplace dans la nature. Donc c'est un projet qui date de presque 10 ans maintenant, et voilà le robot, je ne sais pas pourquoi ça fait des trucs bizarres, mais enfin... Voilà des étudiants qui essaient d'embêter ce pauvre robot. Ils ont le droit, c'est eux qui ont écrit le programme. Et donc, ils sont à peu près sûrs que le robot ne va pas leur écraser les tibias. On peut entraîner des réseaux de ce type, les réseaux convolutifs, à reconnaître des images. Et en fait, la raison pour laquelle on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle ces dernières années, c'est essentiellement à cause du succès de ces réseaux pour la reconnaissance d'images, la reconnaissance de la parole et le traitement du langage naturel. Il y a un autre type de réseau aussi qui est beaucoup utilisé, qui s'appelle les réseaux récurrents, en particulier un type de réseau qui s'appelle LSTM, dont je ne vais pas parler, mais les réseaux convolutifs sont un élément majeur de voitures qui se conduisent toutes seules, de systèmes d'analyse d'images médicales, etc., etc. Donc, aux alentours de 2012, nos amis de l'Université de Toronto, où d'ailleurs j'ai travaillé dans les années 80, ont réussi à faire tourner ces réseaux sur des GPU, qui sont les processeurs qui sont en fait faits pour le rendu graphique, mais qui sont capables de calculs très performants. Et on a utilisé ces processeurs graphiques pour faire tourner de très gros réseaux convolutifs et pour les entraîner à reconnaître des images. Ça marche très, très bien. Ils ont plein de couches. On peut arriver à des résultats comme ça maintenant. Donc, l'état de l'art en vision par ordinateur, c'est ce genre de choses où on montre l'image à l'ordinateur. Il peut dessiner le contour de chaque objet, identifier chaque objet ou la catégorie de chaque objet. Typiquement, il y a quelques centaines ou quelques milliers de catégories. Et faire tout ça plus ou moins en temps réel avec un ordinateur. Alors, comme on est en France, il y a... C'est bien de pouvoir identifier les bouteilles de vin et les verres de vin, ou de compter les moutons, etc. Donc ça marche vraiment très bien. On peut aussi identifier la pose des gens, etc. Donc il y a de gros progrès qui sont faits dans ce domaine-là, qui vont avoir des applications majeures, bien sûr, pour les voitures autonomes, mais aussi pour l'imagerie médicale, pour la détection des tumeurs, par exemple, pour les cancers du sein, les mélanomes et autres. Et il y a tout un tas d'applications qui sont en train d'être développées, qui sont très, très prometteuses. Donc ça, c'est un des domaines où l'IA va sauver des vies et probablement créer de nouveaux métiers. Puis bon, bien sûr, conduire les voitures, comme je vous le disais précédemment. Je ne sais pas si c'est une vidéo qui peut fonctionner. Non, ce n'est pas une vidéo. Pour la traduction, mais je vais sauter ça. Alors... vous avez probablement entendu parler de succès récents comme le système AlphaGo, qui est produit par nos collègues de DeepMind à Londres. Donc, c'est une filiale de Google. Et ils ont produit un système qui joue contre lui-même et qui apprend à jouer au Go. Donc le jeu asiatique. Hein. Ils ont commencé par l'entraîner à jouer à des jeux Atari. Et puis bon, finalement,
généraliser un peu le système. Et ce système AlphaGo utilise ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Alors, ce n'est pas l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on ne dit pas au système « voilà comment jouer au Go », mais ce qu'on lui dit, c'est qu'à la fin, s'il gagne une partie, on lui dit « ouais, c'est bien, tu as fait du bon boulot, voilà une récompense, renforce la stratégie que tu as utilisée pour gagner, et puis essaie de ne pas utiliser celle qui a perdu. » Alors, on prend ce système et on le fait jouer contre lui-même, donc plusieurs instances de ce système jouent contre lui-même sur des centaines d'ordinateurs en parallèle. Et en quelques heures, ce système a joué plus de parties que la totalité de l'humanité dans les derniers 3000 ans, et bat à plat de couture le champion mondial, à partir de zéro. En fait, c'est la version suivante de AlphaGo qui s'appelle AlphaGo 0. Alors ça marche très bien pour les jeux, ça marche très bien pour Go, ça marche pas encore très bien pour StarCraft, c'est un jeu un peu compliqué avec la stratégie, mais ça marche bien pour des jeux un peu violents. Là. En fait, c'est une équipe de Facebook qui a gagné les deux dernières années ce concours de Doom. Mais ça ne marche pas dans le monde réel, parce que dans le monde réel, on ne peut pas se permettre d'essayer et de rater quelques millions de fois. Je sais pas, certains d'entre vous qui sont un peu âgés, peut-être je vais montrer mon âge, se rappellent peut-être de la série animée sur la télévision française, les Shadoks. Voilà. Et alors, il y a une séquence où les Shadoks veulent construire une fusée, et les Shadoks avaient entendu dire que leur fusée avait une chance sur un million de fonctionner, donc ils se dépêchaient de rater les 999 999 premiers essais pour que le dernier réussisse. Alors, c'est un petit peu ça, l'apprentissage par renforcement, c'est qu'il faut tellement d'exemples pour que la machine apprenne quelque chose, que ça marche pour les jeux, parce qu'on peut faire jouer des milliers, des millions et des millions de parties, mais ça ne marche pas pour apprendre à conduire une voiture, parce qu'il va falloir tomber dans le ravin 50 000 fois avant que la machine réalise que ce n'est pas une bonne idée de tomber dans le ravin. Ça risque de coûter un peu cher, et puis c'est un peu dangereux. Nous semblons être capables d'apprendre à conduire sans avoir à foncer dans un ravin 50 000 fois. Et le mystère, c'est comment fait-on? Et on ne sait pas. Je n'ai pas de réponse à ça. On pense que la solution est probablement liée à ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé, et c'est en fait le grand défi de ces prochaines années, c'est d'arriver à entraîner les machines de manière non supervisée, c'est-à-dire que les machines apprennent comment fonctionne le monde par observation, un petit peu à la manière des bébés, sans pour autant être entraînées pour une tâche particulière. Et c'est ce qui nous permettra d'avoir tout ce dont on rêve, ce qu'on voit dans les films de science-fiction. D'ailleurs, à ce titre, je dois mentionner, cette année est le 50e anniversaire du film 2001, l'Odyssée de l'espace, qui, à mon avis, est le meilleur film jamais tourné, jamais produit. Et dans ce film, bien sûr, il y a un personnage. Le seul personnage intéressant, en fait, dans ce film, c'est Carl, en français, dans la version anglaise HAL, HAL 9000, qui est un espèce d'ordinateur intelligent, capable d'apprentissage, etc. Mais on en est très loin. Cet ordinateur est censé, je crois, était censé dans le film avoir été créé en 1992. On est un peu en retard. Alors, ce qu'on peut avoir avec les technologies actuelles d'apprentissage supervisé par renforcement, c'est des voitures qui se conduisent toutes seules ou qui se conduisent mieux, des systèmes d'analyse d'images médicales, de la médecine personnalisée, de la traduction qui marche à peu près, des chatbots qui sont un peu stupides, mais qui sont quand même utiles. Etc., etc. Par contre, ce qu'on ne peut pas avoir, parce qu'on manque de techniques d'apprentissage similaires à ce que les humains utilisent, on ne peut pas avoir des machines qui ont un espèce de sens commun. Donc un chat a plus de sens commun que les machines les plus intelligentes qu'on ait à notre disposition aujourd'hui. Des assistants personnels, certains d'entre vous ont peut-être vu le film Her, H-E-R. C'est pas une mauvaise représentation de l'interaction possible entre un agent intelligent et une personne dans le futur, mais on n'a pas du tout les technologies pour ça, on est très très loin. Des robots ménagers qui peuvent remplir votre lave-vaisselle et le vider, on n'a pas ça, on ne sait pas le faire, on n'a pas les technologies du tout, etc., etc. Donc l'intelligence générale, en fait, qui n'est pas générale, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc ça va prendre du temps, tout ça, et la prochaine révolution de l'intelligence artificielle ne sera pas supervisée. Ce sera à partir de l'apprentissage non supervisé. Et je vais arrêter là, et je vais vous remercier de votre attention et prendre des questions si on a du temps. Merci. Bien, donc, questions ?
questions. On n'a pas énormément de temps. Et une première question là-bas, au milieu là-bas. Oui, vous avez évoqué le fait que l'intelligence artificielle soit très spécialisée aujourd'hui. Mais est-ce que c'est possible qu'il y ait une intelligence artificielle généralisée alors que vous avez donné une obstruction dans votre conférence qui faisait qu'on ne peut pas être totalement généralisé ? Oui. Oui, alors ce qu'on appelle l'intelligence générale, ou l'intelligence artificielle générale, AGI en anglais, c'est en fait l'intelligence aussi générale que l'intelligence humaine. Mais il faut savoir que l'intelligence humaine est très spécialisée. Donc, il n'y a pas de généralité infinie. Quoi. Il n'y a pas de généralité infinie sans un nombre infini d'exemples d'apprentissage. C'est un peu ça le problème. Une question également. Je ne suis pas scientifique. Ma question sera donc grand public. La presse mondiale a rendu un hommage tout à fait justifié à Stephen Hawking il y a peu de temps et a reproduit un certain nombre de ses citations. Alors j'en livre une. La création d'une intelligence artificielle serait le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, mais il pourrait aussi être l'ultime. Et ma question est la suivante. Est-ce que l'intelligence artificielle est une menace pour l'homme ? Alors, c'est une très bonne question que je reçois souvent. D'abord, il faut savoir que Stephen Hawking a changé d'avis sur la question progressivement. C'est la première chose. Après avoir parlé à des spécialistes, etc., Demis Hassabis, par exemple, qui est le fondateur de DeepMind, j'ai rencontré moi-même Stephen Hawking, j'ai pas eu beaucoup d'échanges avec lui, c'est bien sûr un peu difficile. La deuxième chose à savoir, c'est que les échelles de temps dont parle Stephen Hawking, c'est des millions d'années. Alors, l'humanité existe depuis 500 000 ans, en gros, enfin l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'homo sapiens sapiens tel qu'on connaît aujourd'hui existe depuis environ 500 000 ans. C'est sûr que dans 5 millions d'années, l'espèce humaine sera très très différente. Alors maintenant, est-ce que l'espèce humaine sera remplacée par des machines que nous aurons créées nous-mêmes ou sera augmentée par des machines qu'on aura créées nous-mêmes? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Maintenant, aucune espèce sur Terre n'a survécu plus que quelques dizaines de millions d'années et les espèces évoluées en général ont une durée de vie assez courte. Alors bon, tout ça, ça fait un peu peur, hein. On se dit, mais où va l'humanité, etc. Mais bon, c'est à des échelles de temps qui sont énormes. Alors, maintenant, l'avènement de l'intelligence artificielle, la super-intelligence, l'intelligence supérieure à l'intelligence humaine et aussi générale, on peut se poser la question, combien de temps ça va prendre? Et c'est une question qui est très très difficile à répondre, parce qu'on n'a toujours pas les principes de base pour ça. C'est-à-dire, comme je vous le disais, les humains ont l'air d'être capables d'apprendre certaines tâches extrêmement rapidement, et on ne peut pas le reproduire avec les machines pour l'instant, il faut beaucoup beaucoup plus d'exemples. Et donc le principe d'apprentissage non supervisé, dont je pense qu'il sera la révolution suivante, a besoin d'être développé, on a besoin de le défricher un petit peu avant de savoir combien de temps ça va prendre d'arriver à le faire marcher à l'échelle. Ensuite, il y a des problèmes de limitation de puissance de calcul des ordinateurs, donc c'est à peu près clair qu'on n'aura pas de machine assez puissante pour reproduire l'intelligence humaine avant, disons, le milieu du siècle, hein, 2050. Donc c'est pas si loin, en fait. Mais c'est probablement beaucoup plus compliqué qu'on pense. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement parce qu'on a le principe pour reproduire l'apprentissage non supervisé qu'on pourra, dès le lendemain, construire une machine intelligente. Parce que, de même que le principe des fusées interplanétaires a été inventé dans les années 10, même les théories ont été écrites dans les années 1910-1920, mais avant de les construire, il a fallu une bonne cinquantaine d'années. Donc c'est toujours simple dans les principes, mais il est compliqué dans l'application. Ça va probablement être plus compliqué qu'on pense. Et les avis sont très partagés sur le temps que ça va prendre. Alors, il y a les optimistes de la singularité, qui disent, optimistes ou pessimistes, qui disent, dont Elon Musk et autres, qui disent oui, ça va arriver d'ici 15-20 ans. Et puis il y en a d'autres, comme moi, qui disent que non, il faut probablement attendre un petit peu plus longtemps. Et puis d'autres qui disent, en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense, ça va probablement prendre plusieurs centaines d'années. Donc on ne sait pas. Si quelqu'un vous dit que quelque chose est plus que 25 ans dans le futur, ça veut dire qu'il n'a aucune idée, parce que c'est ce qu'on a dit, par exemple, pour la fusion nucléaire. Et ça fait 25 ans que c'est 25 ans dans le futur.
De même pour l'intelligence artificielle, d'ailleurs. Alors, maintenant, la question est de savoir, est-ce que les robots seront dangereux, de même que les humains sont dangereux les uns pour les autres? Et la réponse à ça est clairement non. Et là, bon, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, hein, c'est mon opinion personnelle. Mais ce qui fait que les humains... Enfin, on a beaucoup de mal à imaginer une entité intelligente dont les caractéristiques soient différentes de la nature humaine. Parce que le seul exemple d'entité intelligente avec laquelle on se confronte, c'est les humains. Alors, il faut essayer de voir des exemples d'intelligence peut-être pas aussi grandes, mais très similaires, pour s'apercevoir qu'en fait... toutes les caractéristiques humaines ne sont pas liées à l'intelligence, elles sont liées à la nature humaine. Prenons l'exemple des orang-outans. Les orang-outans sont presque aussi intelligents que nous. Ce ne sont pas des animaux sociaux, ils n'ont pas le langage. Ils évitent la compagnie de leurs semblables, sauf la relation mère-enfant. Ils sont très pacifiques, parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des relations de dominance, ce n'est pas des animaux sociaux. Ce type de relation de dominance, de volonté de dominer d'autres, n'existe que chez les animaux sociaux, il n'existe pas chez les animaux solitaires. Voilà une intelligence très similaire à la nôtre et qui pourtant n'a aucune volonté de dominer qui que ce soit. Alors, les robots intelligents ou les machines intelligentes, pourquoi auraient-elles le désir de dominer l'humanité? En fait, si on regarde l'humanité, c'est quelque chose que j'aime à dire, la volonté de dominer nos semblables n'a absolument rien à voir avec l'intelligence, elle n'est pas corrélée à l'intelligence. En fait, on pourrait penser qu'elle est anticorrélée à l'intelligence, si on prend l'exemple de certains politiciens. Mais par contre, elle est très corrélée à la testostérone. Alors, est-ce que nos robots auront de la testostérone? Non. On va construire des robots, et les robots qui sont intelligents ou autonomes, et autonomes, une fois qu'on aura résolu ces problèmes d'apprentissage non supervisé, auront des motivations intrinsèques qui vont faire qu'ils se lèvent tous les matins, comme nous. Ou alors ils seront déprimés, ils resteront au lit toute la journée. Enfin, ils resteront branchés sur leur prise. Et ces motivations, on va les construire de manière à ce que leur valeur, si vous voulez, ou leur pulsion, soit alignée avec les valeurs humaines. Alors maintenant, la grosse question technique, c'est est-ce qu'on va être capable de faire ça? Et alors, il y a des gens qui disent « Ah, ça va être impossible. » Ou il y a des gens qui disent « Oui, on va se retrouver comme des apprentis sorciers, c'est-à-dire qu'on va essayer de construire ces motivations intrinsèques dans ces robots et on va se tromper. Et donc, on va dire à un robot, travaille dans l'usine de trombone, c'est l'exemple standard, et puis maximise la production de trombone. Et ce que le robot va faire, c'est qu'il va se modifier lui-même pour accélérer la production de trombone et puis convaincre tout le monde qu'il faut faire plusieurs copies de lui-même et de faire plusieurs copies de l'usine et finalement va transformer le système solaire entier en trombone. Alors, c'est exactement le scénario de l'apprenti sorcier, où l'apprenti sorcier coupe un balai en deux et divise les balais, etc. Et puis, il se retrouve avec plein de balais. Une inondation qu'il ne peut pas contrôler. Donc, c'est un peu le scénario catastrophe que les gens imaginent. En ce qui me concerne, je pense que s'inquiéter de ce genre de choses, c'est se dire... on sera assez intelligent pour faire des machines dont l'intelligence égalera l'intelligence humaine, mais on ne sera pas assez intelligent pour construire en elles des modules de motivation et de limitation qui font que leurs comportements seront bénéfiques à l'humanité. Je pense que c'est un petit peu, ce sera un petit peu comme dire à la fin du 19e siècle, on n'a pas encore inventé le moteur à combustion interne, mais on se demande s'il faut construire des voitures parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir construire des freins et des ceintures de sécurité. Bon, techniquement, ce n'est pas compliqué de construire des freins et des ceintures de sécurité une fois qu'on a conçu le concept de la voiture. Donc, je pense que c'est un petit peu la même situation. Donc, en ce qui me concerne, je ne pense pas que les robots domineront l'humanité, mais ce que je pense, c'est que l'intelligence artificielle va... amplifier et démultiplier l'intelligence humaine. Ça ne fait pas de doute. C'est le rôle de la technologie, c'est ce que la technologie fait depuis des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années. Voilà, c'est une longue réponse. Une dernière question que je vais poser moi, parce qu'on a plus le temps. Un conseil, je m'arroche, un conseil, on a une bonne centaine de lycéens ici, ils vont faire des études. Quel conseil? Oui, alors, on parle beaucoup... Il y a plein de choses à dire, mais bon, je vais...
Bon, déjà, l'IA va déplacer des métiers, c'est-à-dire des métiers qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître. Mais au total, ce que tous les économistes qui connaissent la question disent, c'est que la productivité va augmenter, c'est-à-dire la richesse produite par unité de travail va augmenter. Ce que ça veut dire, c'est que les gens, en général, ou les sociétés, vont être plus riches. Maintenant, il y a deux problèmes qui se posent là-dedans. Le premier, c'est comment ces richesses vont être distribuées. Et donc ça, c'est un problème politique, c'est pas un problème scientifique. Je suis pas spécialiste de la question. Mais c'est un problème très réel, et il faut mettre la pression sur les politiques pour que les bénéfices de l'intelligence artificielle, en fait, soient très largement partagés par la population. Maintenant, il y a des métiers qui vont disparaître. Et on peut se poser la question, évidemment, lesquels vont être créés, lesquels vont disparaître. Alors, lesquels vont être créés, on ne sait pas. D'accord ? Bon, il y aura probablement des métiers qu'on peut imaginer. Par exemple, il y aura des gens qui vont gérer des flottes de voitures autonomes, etc. Ça va être un nouveau métier qui n'existe pas aujourd'hui. Il y aura beaucoup de métiers d'ingénieurs, de chercheurs, etc. Et de gens qui sont dans l'application des technologies de l'IA. L'IA va pénétrer tous les domaines de l'économie et va probablement causer une augmentation de la productivité d'ici 10-15 ans. Il y a toujours un délai dans ce domaine-là, c'est ce que disent les économistes. Mais les économistes caractérisent l'IA comme une technologie d'usage général, en anglais « General Purpose Technology », GPT, donc quelque chose qui va changer toute l'économie. Ce qui limite la rapidité de pénétration d'une technologie dans la société, c'est la vitesse à laquelle on peut former les gens à l'utiliser. Et donc, s'il y a un défi pour la France et pour les autres pays, c'est de former les gens le plus rapidement possible à ces nouvelles technologies pour pouvoir en tirer parti. Alors on se dit, oui, mais l'automatisation, tout ça, ça va détruire des métiers, etc. Donc si on regarde aujourd'hui, c'est une réflexion d'ailleurs qui a été faite par le ministre des Finances, Bruno Le Maire, il y a quelques jours. Il a dit, regardez, les trois pays qui sont les plus robotisés, les États-Unis, l'Allemagne et la Corée, sont aussi les trois pays où le taux de chômage est le plus faible dans le monde développé. Donc peut-être les robots consomment des métiers, mais apparemment aussi, ils en créent. Ils en créent plus qu'ils n'en consomment, en fait. Et on a un petit peu limité la pénétration de la robotique en France il y a 20-25 ans, et ça a probablement été une grosse erreur. Il ne faut pas faire la même erreur pour l'intelligence artificielle. Alors, maintenant, quoi étudier, lycéen ? Il y a deux options. Une option, c'est que les métiers où il y a une vraie interaction humaine dans les services, et ça va peut-être vous surprendre, sont des métiers qui vont prendre de la valeur. C'est-à-dire... Et c'est des métiers un petit peu étranges, comme par exemple serveur dans un restaurant. On aura toujours besoin de serveur dans un restaurant. Dans un restaurant haut de gamme. Restaurant bas de gamme, ça sera des robots. Mais restaurant haut de gamme, il y aura toujours des gens. Et en fait, l'interaction réelle entre les gens va augmenter. Pour vous donner un exemple, vous pouvez aller sur n'importe quel site en ligne, acheter un lecteur de Blu-ray pour environ 50 euros. C'est vraiment incroyablement pas cher. C'est une pièce de technologie incroyablement sophistiquée qui n'existait pas il y a 15 ans. Ou même 10 ans, ça utilise le laser bleu, la compression H264, enfin des choses magiques, très compliquées, entièrement construites par des machines, vous pouvez acheter ça pour 50 euros. Maintenant, sur le même site, essayez de trouver un bol en céramique, un saladier en céramique fait à la main. Ça va coûter au minimum 250 euros, et probablement plutôt dans les 700. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie personne qui a fait le bol et qui a mis de la création, qui a mis un petit peu d'imagination humaine dedans. Télécharger un morceau de votre groupe musical préféré. Vous pouvez faire ça gratuitement si vous avez de la chance, pour moins d'un euro, si vous en avez moins, ou pas d'abonnement. Vous voulez aller à un concert de ce même groupe, ça va coûter 100 euros, 200 euros, si c'est de l'opéra, 800 euros. Donc, quelle est la différence entre ces deux choses ? Il y en a une où il n'y a pas d'humain, en fait, qui intervient dans la boucle, et l'autre pour lequel il y a une vraie expérience humaine et une connexion humaine. Donc, je pense qu'il y a un futur, un bon futur pour les musiciens de jazz, parce que moi, je suis un grand fan de jazz. Donc, c'est la connexion directe avec l'âme humaine. Bien sûr, ça pourrait être simulé par les machines, mais l'expérience sera vraiment très différente. Alors, donc, ça, c'est une classe de métier créatif ou humain, où il y a vraiment de l'interaction humaine. Ça va prendre de la valeur. Tout ce qui peut être automatisé va baisser en valeur. Et puis l'autre catégorie, bien sûr, c'est les métiers techniques, ou les métiers paratechniques liés
à l'intelligence artificielle. Et pour ça, il faut étudier les maths, la physique, les sciences de l'ingénieur. Ce n'est pas une surprise. Mais même à l'université, si vous avez le choix entre, je ne sais pas, vous étudiez l'informatique et vous avez le choix entre un cours de PHP ou HTML ou la dernière technologie à la mode et un cours de physique quantique, prenez la physique quantique. Et la raison pour ça, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais la raison, c'est que votre cours de PHP ou d'HTML, dans 3 ans, ça sera complètement dépassé. Alors que la physique quantique, il y a des méthodes dedans qui vont être utilisables pendant les plusieurs décennies à venir. Et on n'a pas l'impression que c'est le cas. On a un petit peu de mal à se, quand on est lycéen ou écolier, à se dire mais bon, à quoi ça sert de résoudre des équations de second degré ? À quoi ça sert de faire passer des courbes par des points ? Mais en fait, c'est la base de tout ça. Et puis, bon, des cours universitaires de mathématiques appliquées, par exemple, d'optimisation, d'algèbre linéaire, etc. Et les méthodes de la physique, en fait, on apprend des techniques qui sont utiles pour l'apprentissage automatique et pour l'IA. Ce sont des techniques qu'on apprend plus, en fait, dans les écoles d'ingénieurs en génie électrique, par exemple, ou en physique, qu'en informatique, à moins de faire beaucoup de maths continues en informatique. Parce que les maths qui sont très souvent faites en informatique sont des maths discrètes et ce n'est pas le genre de maths qui sont utiles pour l'apprentissage automatique. Donc c'est un peu à part dans le domaine de l'informatique. Voilà, j'ai encore parlé trop longtemps. Merci. Merci.